Sensible et complexe, je vais inviter David Abassi, que vous connaissez déjà, puisque c'est un ami de longue date avec vous et l'association Azadi. David Abassi, écrivain, historien, qui est également présent dans nos studios et qui va continuer l'échange et le dialogue avec vous. Bonjour David, comment allez-vous? Très bien, Morgane, merci. Merci, Morgane. Bravo pour tes émissions, surtout Monsieur Azizi. Et comme tu viens de me dire, demain, jeudi aussi, tu as un autre invité afghan, Monsieur Mehrabodine Mastan, à 14h. Alors, notez bien, mes amis, notre rendez-vous de demain aussi avec Mehrabodine Mastan, ancien ambassadeur de l'Afghanistan, ami du commandant Massoud. J'étais à Paris pendant des années, vous le connaissez très très bien. Toujours, il était présent sur les plateaux de télévision français, Mehrabodine Mastan, et il était notre invité également plusieurs fois à la radio. Voilà, en même temps qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Azizi, mon ami de longue date. Alors, à l'époque, on était ami avec le commandant Massoud, et Mehrabodine Mastan est ramené le combat contre Al-Qaïda, les talibans et tout ça. Et Massoud était au Panjshir. Je crois que vous, Monsieur Azizi, vous aviez 5-4 ans, ou peut-être vous n'étiez pas encore né, non? Bonjour, Monsieur Azizi. Oui, bonjour, monsieur Abassi. Merci, oui, vous êtes un vrai ami fidèle de l'Afghanistan, fidèle de commandant Massoud. On a entendu beaucoup de vous. Merci. Vous aviez quel âge à l'époque de Massoud? Actuellement, vous avez quel âge? Dites ça, ça. Comme vous savez, en Afghanistan, on note pas bien l'âge, mais C'est les moi, 20. j'ai 30 ans. 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans, ouais. Voilà, vous voyez, vous avez 30 À ans. l'époque de Massoud, j'avais 7-8 ans. Ouais, même avant Massoud, que moi je le connaissais, parce que vous savez, moi je connais l'Afghanistan, comme vous le savez, qu'il soit Massoud comme mon commandant, ou qu'il soit Rabbani Burhaneddin, qui était assassiné, ou Golbuddin Hekmatyar, qui est talib actuellement. Tous ces Exact. gens-là, je le connais depuis 40, 45, 50 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque même, vous n'étiez pas encore né. Mais parmi toutes les personnalités afghanes qu'on a connues, Massoud, c'était vraiment le commandant pour la liberté, le visage mondial pour la liberté, comme un Che Guevara pour l'Asie et de l'autre côté. Mais c'est vrai que beaucoup de vous, même à l'époque des années de gloire, de combat, de Massoud, vous n'étiez pas incarné. Merci d'être avec nous, Monsieur Azizi. Merci à vous, Monsieur Abassi. Alors, demain aussi, comme vous venez d'entendre, on va recevoir Monsieur Mehrabodine Mastan. Il va être notre invité à partir de 14h. Mes chers amis, notez et informez les amis, surtout que je sais que vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez poser même aujourd'hui à Monsieur Azizi et même demain à Monsieur Mehrabodine Mastan. Alors, Monsieur Azizi, actuellement, puisque nous sommes en train de nous approcher au mois de septembre, le jour de mémoire de commandant Massoud qui était assassiné par les islamistes. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez préparé pour le septembre? Merci, Monsieur Abbotti. On a organisé deux événements commémoratifs à l'honneur de commandant Massoud. On a intitulé Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans. Le 9 septembre à 19h, on a une soirée, on a intitulé soirée de résistance dans laquelle on va expliquer 2 ans la situation d'Afghanistan et aussi soirée de poésie parce que la poésie est toujours attachée à notre pays, à notre langue persan. La poésie, c'est quelque chose que Massoud admirait beaucoup. Il avait toujours un livre de Hafez Shirazi, un livre de Rumi avec lui. Pour cette occasion, on a dédié cette soirée pour tous les combattants actuels qui sont sur les montagnes de Hindu Kush, qui combattent contre le régime terroriste des talibans. Le 10 septembre, le lendemain, dimanche, on a une grande manifestation. Vous étiez toujours présents dans les anciennes manifestations, un grand rassemblement à l'allée du commandant Massoud à Champs-Élysées. Là-bas, il y a des journalistes,
des hommes politiques vont intervenir au sujet de menaces des talibans pour les pays, même à l'extérieur d'Afghanistan, les pays régionales et aussi en occidentaux, on peut dire, parce que comme vous avez entendu, vous étiez avec le commandant à l'époque en 2001, que, donc il a alerté l'Occident, donc si vous n'êtes pas l'Afghanistan, les pauvres d'Afghanistan, de combattre contre le terrorisme, un jour le terrorisme va vous toucher. Donc moi je pense actuellement ce que je vois au pays occidentaux, les lobbyistes des talibans sont actifs dans les pays occidentaux. Eux-mêmes, ils bénéficient des bénéfices de la liberté et de la démocratie, mais ils se lèvent la voix en faveur des animaux, leurs tribus, les talibans, à l'Europe, en France, en Allemagne ou d'autres pays comme ça. Mais malheureusement, il n'y a aucune réaction contre les lobbyistes terroristes qui sont présents en Europe. Donc pour ça, on a intitulé cet événement « Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans ». Bravo, bravo. Oui, bravo, M. Azizi. Puisque vous venez, M. Azizi, d'évoquer l'invitation du commandant Massoud en 2001, que je l'avais invité par la gentillesse de mes amis français, vous avez touché encore mon cœur. Puisqu'à l'époque, quand on était en contact avec Massoud, Massoud il parlait de la laïcité en privé, personnel, discret avec nous dans ses messages écrits qui en correspondaient à l'époque, M. Azizi. Et il disait un jour, j'espère de pouvoir mettre de côté mon arme, mon pistolet, mon fusil, et je vais prendre la plume et la parole, dopé, plume et la parole, pour parler de la laïcité pour mon peuple, qui même pas ne connaît pas l'art de la laïcité. Il disait « Khé de Khérat Gerai », et il ne connaît pas. Il disait « Tout mon souci, c'est de pouvoir parler avec mon peuple et de deux choses que je viens de vous dire, parler de la laïcité avec parole et pensée. » Alors aujourd'hui, M. Azizi, vous savez très très bien que depuis 14 siècles, votre pays il est victime de l'intégrisme musulman. C'est l'intégrisme musulman qui a tué vos compatriotes et il est en train de les tuer. Alors, où sommes concernant la laïcité dans la résistance contre les talibans? Donc on parle de laïcité, le mot laïcité n'est pas très reconnu en Afghanistan. Malheureusement, la définition que les fondamentalistes et les islamistes ils ont sorti là-bas, interprété là-bas, c'était vraiment mal vu au niveau public. Ça je le sais, ça je le sais. Vous me dites tout ce qu'on sait. Je vais vous dire quelque chose en vous arrêtant, puisque je ne veux pas qu'on répète les histoires qui touchent notre cœur. Déjà, n'oubliez pas, pour vous, pour votre peuple, pour les Afghans, pour Dari, laïcité, moi je parle avec vous français, je dis laïcité. Le mot en iranien, le mot en persan, le mot en Dari, c'est Khérat Gerai. Aqlani, Aqlani. Et même dans l'islam, il y a des branches, beaucoup de branches qui parlent de Aqlani fil Islam, Aqlani dar Islam, Khirat Gerai. Alors dites-moi, les mouvements afghans face aux talibans concernant même Khirat Gerai, Aqlani dans l'islam, où êtes-vous? Nous sommes où, mon cher ami? Parce qu'en même temps, il faut voir l'Iran à côté de vous, la laïcité en Iran. Moi, puisque je parle en français ici, les gens pour comprendre, je ne veux pas répéter Khérat Gerai, Khérat Gerai. Surtout, je veux vous dire une chose pour rigoler. Il y a déjà 40 ans, puisque le mot Khérat Gerai, la laïcité, à l'époque, quand on a lancé ici, même en France, on ne parlait pas de la laïcité à l'époque, il y a déjà 40 ans. On a lancé ça, et c'est autre chose. Mais quand mon livre, c'était Dindari et Khérat Gerai, quand je l'ai écrit, en Iran, à l'époque, il y a déjà 40 ans, ils ne savaient même pas lire les ayatollahs Khérat Gerai.
Ils l'ont nommé Khargerai. On se moque compte de moi en disant que voilà, David, il a fait un bouquin religion et Khargerai. Khar, ça veut dire là. Mais j'ai des souvenirs de commandant Massoud que pour chaque livre que je l'envoyais à l'époque, il m'envoyait un message. Et même Khargerai, quand je l'avais envoyé, Dindoreva Khargerai, lui-même, il m'a parlé de Aqlani. Au Khirat, dans l'islam, il m'a parlé de Hassan Basri, il a déjà 1350 ans, non? Et beaucoup d'autres exemples, comme quoi, commandant Massoud, il disait que notre islam est fondé sur la base de cerveau, de la laïcité, de la Khirat. Alors, c'est pour ça la question très importante que je vous pose, puisque je suis désolé de vous dire. Actuellement, parce que ça j'ai dit à Ahmed Massoud, je vais vous dire à vous aussi, on ne cache rien, j'ai dit à Dr Farizadeh, Fahim Dashti, avant d'être assassiné, il m'a envoyé des messages, on a parlé ensemble, il m'a donné des messages pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, que je l'avais donné, etc., etc. Mais il y en a une chose qu'on doit savoir, le rationalisme, voilà, au lieu de laïc, vous pouvez utiliser le mot rationalisme, Khaled Giray. Et si ce n'est pas dans le combat de la résistance, le monde de M. Azizi, il va avoir peur d'un autre islam. Puisque si vous dites que vous êtes pour un autre islam, qui est modéré, je ne sais pas quoi, vous arrivez après 40 ans au point que les Iraniens y sont arrivés, surtout les filles iraniennes, vous êtes au courant, vous savez très très bien que les femmes iraniennes actuellement, ils brûlent le voile, et officiellement, ils disent qu'ils ne vont pas faire les cérémonies musulmanes en Iran, et officiellement, les gens comme Rahnavard, comme Kian et Pirfalak Nour Saleh, on les a tués puisqu'ils disaient on ne veut pas de l'islam politique dans notre pays. Et vous êtes au courant de tout ce sujet-là. Vous connaissez Majid Reza Rahnavard et vous connaissez Kian Pirfalak, M. Azizi. Oui, très très bien. Rahnavard, il est un grand. Alors quand un enfant de 9 ans, il n'a pas peur de parler de la laïcité en Iran. Quand Majid Reza Rahnavard, qui est de même village, de même province que vous, de Khorasan, il va aller être exécuté. Il dit que ne chantez pas le Coran pour moi sur mon tombeau et tout ça. Pourquoi la résistance d'Afghanistan face aux talibans, et ils maintiennent un autre islam que personne ne va pas vous croire. C'est pour ça que vous êtes isolé actuellement. Je vous écoute. Exactement, l'essentiel c'est ça. Mais je vous explique avant tout qu'on va entrer encore dans le mot laïcité, mais je vous explique quand j'étais en Afghanistan, même mes amis, le mot laïcité, comme je vous ai dit, en Afghanistan, c'est mal interprété. Dans les circonstances d'Afghanistan, nous, on n'avait pas de droit, même qu'on était ouvert spirituellement, on était pour Ahmad Shah Massoud. Donc, on écoutait toujours la poésie, Ahmad Shah Massoud et sa carrière. Je sais, mais je sais. On n'avait pas de droit. Monsieur Azizi, tout ça, je le sais. Quand je suis sorti de l'Afghanistan, quand je trouvais un moment, physiquement, j'étais en sécurité, je viens de découvrir que ça veut dire quoi exactement la laïcité qu'on voudrait. Donc laïcité, quand on prononce le mot la résistance contre les talibans, déjà je pense que c'est laïcité. Quand on parle de démocratie, c'est laïcité. Quand on parle de droit des femmes, d'aller à l'école, de travailler, de trouver ses indépendances, donc c'est laïcité exactement. Merci. Merci Monsieur Azizi. Mais vous savez, mon cher Monsieur Azizi, je vous dis une chose. Je vais être franc avec vous. Vous notez ça aussi, comme tout ce que j'ai dit il y a déjà 40 ans à la commandant Massoud. Écoutez, vous voulez que le monde vous croie, vous voulez que le monde vous croie, votre résistance, ce n'est pas pour un autre islam. Alors si vous voulez que le monde vous croie, vous devez déjà commencer à vous exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. Ce qu'il y a dans votre tête aux gens de village, de montagne, de Panjshir et de l'Afghanistan. Puisque comme commandant Massoud il disait à l'époque, actuellement, les talibans, ils vous ramènent un combat de sectes religieuses.